Ah, faut que je mette mes objectifs à la journée. Allez les gars, accroupi, faut se barrer là, c'est important. Ah ouais, c'est vrai, on fait quoi? Je vous l'ai dit, j'ai pas arrêté d'en parler depuis tout à l'heure. Non mais non, vous déconnez pas là quand même. Ah mais je joue la difficulté, excusez-moi. Ça je joue. Sérieux là? Faut aller au baraquement. Non, non, sans déconner, j'ai pas envie de péter le cul de parler à chaque fois pour rien. Non, non, mais oublié. Ouais, bien sûr, évidemment. Ah mais sérieux. C'est pour ça que le chapeau plat en fait y'a rien dedans. Moi t'as vu qu'il y a une chance, c'est pour avoir une fois. Parce que là, d'empêche, ça fera la troisième fois que je répète, du coup. Attention à gauche, on a une sentinelle qui dirige l'arme. Alors, donc je répète. On a les baraquements. On a pour objectif secondaire de neutraliser l'infanterie qui s'y trouve. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer des charges explosives. Et on va s'exfiltrer très gentiment. De manière à rester le plus discret possible. Une fois fait, on a des avions à aller détruire dans le hangar. Dans les hangars. Donc on y placera des charges de démolition également. J'ai pas des chargements. Non, non, mais c'est pour ça que j'ai demandé si on avait bien toutes des charges. Parce qu'on a toutes des charges à mettre. On n'en aura pas assez pour tout le monde. Ah d'accord, bah je sais pas, j'en ai. Bref, ensuite. Une fois qu'on aura fait tout ça, on s'éloignera. Et une fois qu'on sera suffisamment éloigné, on fera absolument tout exploser. L'arrière, 500 mètres. Ah oui, non. Non, il y a un des Alstrak là-bas. Goutte animal, goutte, reviens ici, je vais te tuer. Goutte animal. Moi, plus tard, je serai chasseur. Je tuerai les animaux avec des clémores et des bétis. Et je mangerai du gravier. Parce que le gravier, c'est bon. Mangez la vie. Qui a des charges, mais je dis bien des charges de démolition et de fantaisie. Moi. Plusieurs. J'en ai une. J'ai 0 et 3. J'en ai 3. T'en as 3, très bien. Jojo, t'en as une aussi, non? J'en ai 2 dans mon sac. D'accord. Ce qui va se passer, c'est qu'on va déséquiper quelqu'un pour qu'il se déplace pour faire sauter tous les baraquements, tout simple. Jérémy, char à canon. Non, moi je suis toutes mes charges de 2. Non, mais c'est pas ça le truc. Le mec, c'est moi qui désigne, comme ça y'a pas de lol. Oh. Et un gars qui va discrètement là-bas pour placer des charges explosives sur tous les baraquements. Bah déjà ce sera pas moi parce que Julien c'est à quel point je suis. Mais oui, mais ça veut rien dire, tu le poses par terre et puis ensuite tu pars avec les charges sans aucune arme. Non mais rappelle-toi comme tu dis c'est. Oui, c'est pour ça que je te donnais que je t'ai dit, on t'enlève ton arme. Oui mais même sans arme tu dis. DZ. Il n'y a pas une seule balle, il y en a 400. Touché, tout le monde. Alors, baraquement 1, 2, 3, 4. 4 baraquements, on a 4 charges explosives à 37, c'est parfait. Donc, il faudrait qu'on puisse détruire les 3 baraquements, les 4 baraquements d'un coup. Alors. Il y a 3 baraquements plus le machin à dos. Et si tu regardes la map, il est aussi compté comme un baraquement. Et si tu regardes la map, il y a 2 trucs à dos. Ça s'appelle des tentes. Regarde le baraquement B4 sur la map. Eh, mais si tu regardes. Ah ouais, sur la map, mais si tu regardes IG. Ah, mais c'est ce que je fais sur la map. Bon, alors au choix, on fait, parce que c'est facultatif, au choix on fait cet objectif là. Maintenant, les avions après. Ou alors on va faire les avions directement, on fait tout péter et ensuite on se la joue pas trop discret. Ça me bosse, elle fait ça d'abord. Ça d'abord, ouais. Je me désigne, j'y vais.
Attends, tu vas libérer un peu de place dans ton sac et puis Jojo va te filer sa charge explosive. Allez Jojo. Ouais, Jojo, tu prends la charge que t'as, par... que t'as dans ton sac, tu la fous par terre. Et puis tu prendras ce que Killing laissera par terre. Killing, bah discrétion tu connais. Donc tu vas archi discret, et puis tu poses une charge au centre de chaque baraque. Mais c'est comment déjà la touche pour ouvrir son sac, je sais plus. Tu fais G, tu cliques, tu sélectionnes ton sac et tu double clique sur ton sac. Jérémy ? Oui. Viens avec moi. Voilà, hop. Ça va me mettre dans mon sac ? Je peux prendre qu'une charge de toute façon. Faut que tu poses les 4, hein. On est bien d'accord, Kim. Nous, on va se mettre en observation ici. On fait les deux par terre, hein. C'est moi qui vais être droit, ça, c'est bon. Non, il est là. T'as mis la bombe dans mon sac, Attends, je regarde. Bah, Pierre, attends, Jojo, tu vois le tas de machin. Attends, parce qu'il y a Germ qui a perdu en même temps. Tu disais ? Oui, donc. Tu vises le tas que j'ai fait, tu fais matériel, tu prends ta charge et tu fais, tu la mets dans le tas, je la prendrai. Non, on remet ton truc normal, là. On fait de l'observation, là, donc il faut être bien. Putain, il y a du mal, il y a trop de zoom. Attends, je repasse au sniper du néant. Au vision du néant, j'ai plus de visibilité. Parce qu'il n'y a pas un zoom de malade. D'accord, en fait, d'accord. Maintenant, parce que c'est tout petit, je crois que les charges, je les ai mis où est-ce qu'il y a ici, là, par terre, devant toi. Non, parce que je les ai plus. Vous les retrouvez, quoi? Bah, ça c'est con, il y a une charge qui a disparu. Voilà. Non, je vois, rien. Killing, avance un peu. Non, mais je sais que devant moi il y a des trucs par terre, mais c'est pas la charge. C'est une M2 démolition et les chargeurs que j'ai posés pour pouvoir prendre justement les charges. C'est dommage. Alors, Jojo, pour faire attention quand tu échanges les éléments entre ton sac et ton inventaire, c'est soit la charge est passée dans ton inventaire. Ouais. Et oui, je pense d'ailleurs qu'elle est passée dans ton inventaire, soit elle a disparu parce qu'il n'y avait pas assez de place dans ton inventaire. Alors Jojo, quand tu as quelque chose dans ton sac, il faut que tu fasses de la place dans ton inventaire pour pouvoir transférer de ton sac à ton inventaire, okay. De ton inventaire le poser par terre. Je vais tirer cette merde. Non. Non, je les pose dedans là, ou dehors? Essaye de les poser bah là, regarde là, ici non, mais va entre les deux, baraquements ici. Entre les deux? Oui, enfin tu contrôles le mur de celui-là dans vos unes. Et si c'est pas assez, t'appelles le net. Si c'est pas assez qu'il y fonce de ce pas dans le... Non, maintenant tu vas l'autre... Enfin, non, ouais, reste là. En position de centre. Attention, il y a un camion là. Tu te fais pas repérer. Et maintenant, tu vas sur le... C'est chelou, j'ai une baisse de FPS, j'ai cru que le camion était derrière. Bon, c'est dommage, c'est que là on va pas pouvoir aller démolir le dernier baraquement. Si, si, j'ai des M2. Ok, bah il faut pas t'en mettre d'autres. Hein. C'est quoi le dernier baraquement? Le petit machin à dos à droite, à côté de la DCA. Le mec de la DCA, tu le tues et tu le caches. Ouais, mais regarde ce qui arrive à droite. Oh mon dieu, effectivement, pas se cacher. Pas à droite. Une patrouille allemande, 3 personnes. 4. Jojo recule. En rampant, tu recules. Jérémy, pareil. En rampant, Ah merde. Parce que là, ils sont un peu trop proches. Ah, c'est bien. Stop.
Ça me démange, je vais réagir. Voilà, je reste là. Attention, ils vont te voir si tu restes là. Fais le tour du baraquement. C'est bon. J'aurais mis garde un œil sur la troupe qui est en bas. Ok, je le vois là. Ouais. Tu avances délicatement vers elle pour la voir. Tu la surveilles. Place des charges M2 à l'intérieur, clairement, s'il n'y a personne dedans. Pourquoi j'entends une alarme? Mais moi aussi je l'entends. Mais moi il n'y a personne qui a alerté en fait. Moi aussi. C'est dans effet. Ah si, j'entends. Est-ce qu'on a pénétré dans le périmètre ça là. Bon, maintenant on revient. On va pas faire péter tout de suite, hein. Ah, ils sont juste simplement augmentés les gens. De toute façon, c'est la résistance qui les a alertés là. Mais qui sait. Bon, on peut vous rejoindre, Wolf. C'est parti. Ok. Nickel. Alors on décroche. On comprend pas pourquoi il y a un bruit de... l'alarme. Je l'entends en fait, je me pose une question. Stop. Halt. Il y a un mec qui fait le guet là, couchez-vous. Nous on en repérait. Où ça? C'est bon, ils sont en train de partir, c'est bon. Ils étaient en train de contourner le... Ok, allez, on est parti. Petite observation sur la rive là-bas. Je traque. Appel. Prends du véhicule, ça va encore. On a un mortier ici. On n'a pas intérêt à le réveiller, moi je le dis. Il y a un camion qui arrive là, à droite. Ah, il y a quelqu'un à genoux à côté du rush. Et il y a quelqu'un dans le train. Je crois qu'il s'est prêt à partir. Quoi? Où ça? Il y a quelqu'un dedans, il y a quelqu'un à l'extérieur. La mitrailleuse, effectivement. Ah, où ça, ici? Dans la frag des baraquements ou dans la frag de la baraquement? Quelqu'un qui a la coupe dedans? Non, il y a quelqu'un à l'extérieur, il y a quelqu'un en. Oh le trait! C'est un mec! Non, il est venu se connecter à notre partie, c'est. Non, ouais. On a l'avion, donc il va falloir qu'on ouvre le feu, ça va être possible autrement. Putain, oh là là, c'est tellement surveillé là! On va pas pouvoir faire profit pas tout le temps, je voulais. Faudrait que j'ai un point d'observation sur les avions parce que je sens que je vais devoir aller poser mes charges.